Salut tout le monde, donc on sort d'une séquence de gameplay sur WRC 6. Donc c'était avec un des développeurs du jeu qui nous a expliqué un peu comment le jeu fonctionnait et donc les nouveautés qui ont été introduites dans le jeu. Donc savoir que je suis totalement néophyte sur la licence WRC. Donc j'ai pu découvrir un peu ce que ça donnait et avoir quelques infos. Donc tout d'abord sachez que le jeu sortira le 7 octobre 2016 et donc on nous a parlé des graphismes. Il était très fier de ce qu'il nous a proposé puisque apparemment tout ce qui est rayons lumineux, brouillard, particules ont été introduits, ça leur a donné beaucoup plus de possibilités sur le jeu, ça l'a rendu beaucoup plus beau. Ensuite, ce qui a été amélioré au niveau du gameplay, c'est tout d'abord il nous a parlé des routes. Donc dans WRC 5, les routes étaient beaucoup plus larges mais elles n'étaient pas forcément toutes utilisables. C'est vrai qu'on a par exemple du béton et de la boue mais que tout n'était pas exploitable, alors que là les routes sont plus étroites mais complètement utilisables en fait. Ce qui a aussi été repensé, c'est les sons. Donc tous les sons ont été refaits pour que vous puissiez savoir sur quelle roue vous atterrissez, si vous roulez sur le tarmac ou sur la boue. Et ça, c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Autre chose intéressante, on a pu tester le jeu avec un casque de réalité virtuelle. Donc c'était l'Oculus Rift, il me semble. Oui, c'est ça. Et donc c'était plutôt immersif, c'était vraiment classe. On avait système de vérin accroché au siège et on ressentait vraiment quand on passait sur les rebords, quand on longeait les murs, etc. C'était vraiment sympa. Donc je peux pas vous en dire plus sur ce WRC, mais sachez que en tout cas ça garantit du bon pour les fans. Et autre news, autre information pardon, aucun véhicule n'a été ajouté, c'est le même roster que l'année dernière. Voilà, par contre il y a la Chine qui est présente cette année dans les équipes et donc c'est plutôt sympa. Voilà, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, à liker également, à commenter et à aller voir toutes nos autres vidéos que vous pouvez retrouver avec une fiche juste au-dessus de l'écran. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.